Bonjour, bonjour. Oute, bonjour. Vierge Marie, tu peux pas tomber. Vous avez besoin de discernement. Et surtout, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous subissez beaucoup d'attaques actuellement. C'est le genre d'attaque que vous savez pas comment commencer à expliquer à quelqu'un. Les attaques viennent à cause de ce que vous avez demandé. Les attaques viennent à cause de votre force. Je demande l'ouverture de vos oreilles pendant que je parle. Je demande la clarté dans votre esprit. Tout endroit où on a voulu vous attacher. Toute immobilisation dont vous avez été victime. Je vous en débarrasse totalement. Vous aurez des phases. L'ennemi vous mettra des saisons. Et ce qui est plus facile, c'est lorsqu'on rencontre un mur, de tomber ou d'arrêter d'avancer, ou encore de retourner en arrière. Le mental doit être fort. Déjà que vous ne pouvez pas avoir une vie où personne autour de vous ne vous veut du mal. Bonjour, bonjour, Anne Foster, bonjour. Et vous allez arriver à un niveau où vous aurez de l'adversité à l'extérieur et dans votre corps. Donc, tu restes comme ça, l'extérieur ne va pas, ton corps même ne va pas, ton corps fait mal partout. Certains d'entre vous, vous avez commencé des projets qui sont à l'échelle où vous allez attaquer les sectes. Ou vous avez récupéré quelque chose qui vous appartenait, qui a été pris par une confrérie de personnes. Vous savez que si un membre de votre famille, un oncle ou bien un arrière-grand-parent, qui a essayé un pacte que, ok, tous les fils et les petits-fils de cette famille, vous avez le droit de prendre leur étoile. Donc tu nais en étant déjà bloqué.
Donc, quand tu grandis, tu es dans la maison familiale, tu ne sais pas qu'il y a un trou là-bas. Il y a une fosse spirituelle dans laquelle tous les petits-fils, vous êtes dedans. Je viens vous rappeler maintenant. Si on t'a mis, il y a des familles où tous les enfants sont censés être des célébrités. Tous les enfants sont censés être milliardaires. Donc quand on enterre cette destinée-là, ça veut dire que toute progéniture de cette famille vient d'un endroit où ils sont très puissants. L'ennemi ne prend pas ce qui est léger. Bonjour Jacqueline, bonjour Diams. Merci pour l'amour acquis. Mais comme tu ne connais pas ce que tu portes, tu ne connais pas qui tu es, et depuis que tu es né, tu es dans un trou. Là, ça fait 6 mois, tu as commencé à dire, ok, il faut que je travaille sur moi. Bonjour, bonjour Francine, bonjour Paloma Falmata Ronalia. Tu dis, c'est vrai que je n'ai pas l'argent. C'est vrai que je suis faible pour l'instant. Mais je dois sortir d'ici. Par cette volonté, tu viens d'activer déjà. Vous avez remarqué que je ne suis plus trop dans les astuces ces derniers jours. Parce qu'il y a un niveau où les astuces ne sont plus assez. Parce que ton combat est dans la chair. Tu sens comment tes os te font mal. Tu as un combat d'identité. À un moment, ton combat devient plus profond que tu ne penses. Il ne faut pas qu'elle sache qui elle est. Il ne faut pas qu'elle sache ce qu'elle porte. C'est pour ça qu'on vous simplifie ici tous les jours. Que j'ai même quoi? J'ai rêvé, j'ai vu, on m'a donné un bâton. Ah, je suis même personne. Hein. Et c'est comme ça que quand tu commences la marche spirituelle, c'est comme si l'argent, ça se vide dans ta poche. L'argent se vide dans tes poches. Tu es dépassé. Que mais avant, quand j'achetais mes chaussures, mes vêtements, je ne manquais pas un petit 500 000 chaque mois. Comment maintenant, là même, seulement 20 000 pour acheter un produit, pour mettre sur moi, ça me dépasse. Tu perds ton boulot. Des économies là même. On vole. Ou une maladie vient, ça te rafle. Ça prend ton argent en 4 jours. Ton esprit est en train d'être testé et fortifié. C'est un contraste qui est neuf. Comment vous me testez, vous me fortifiez en même temps? Vers 2015, j'écoutais les enseignements. Et c'était un ministère qui était associé à Kenneth Copeland. Et là, le monsieur a expliqué une analogie qui est restée dans mon esprit. Il dit,
Quand on fait l'avion, pour que l'avion vole, est-ce qu'on dit que okay, tu peux porter 100 personnes? Ignacia, vous êtes Ignacio, merci. On soumet l'avion à une pression qui est 10 fois plus forte. C'est entre 3 ou 10, le chiffre. Donc, on met l'avion dans une salle. On soumet des conditions que dans l'atmosphère, là, on multiplie ce qui est normal par 10. On met ça sous l'avion. Si l'avion résiste à 10 fois plus de pression que la norme, on approuve l'avion. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh, c'est 10 ans plus tard que ça revient dans mon esprit. Tu ne peux pas souhaiter monter. You don't wish your way up. You don't wish your way up. Je veux monter, augmenter mes finances. Je veux quitter de 2 millions le mois jusqu'à 10 millions le mois. Amen. Je me lave seulement au sel et je vais augmenter d'argent le mois. Ça se passe pas comme ça. Oui, je vais créer une chaîne qui va aider. Je vais créer un orphelinat. Ouais, je vais distribuer la nourriture aux gens dans la rue. Waouh. Waouh, t'as de beaux projets. Commence. Tum, 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 tum. Attaque. Tum, 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 tum. On vole ta voiture. On te cambriole. Ton téléphone se casse. Le lendemain, le deuxième téléphone se casse. Le téléphone de recharge que tu as pris, 4 jours après, ça se casse. Tu... Et qui est... Le diable vous connaît personnellement. Je suis qui? Moi, je fais même quoi? Je connais moi personne. Ah, le diable me connaît que c'est qui. Tu as trop de projets qui vont gâter sa chose. Paloma, je ne suis pas dans les utilisations de quelque chose. Si tu as acheté le donne-moi tout, l'utilisation est sur la boîte. Tu m'as vu vendre un produit ici. Mes clients connaissent, quand ils veulent acheter mon produit, ils écrivent, ils demandent que je veux ça. Tu as suivi. Donc, il va venir ici, il va commencer à te dire, tu as vu le domaine tout dans ma main. Hmm? Mes produits spirituels ont été conçus pour vous aider dans votre travail. Et mon problème avec vous, c'est que vous attendez qu'il soit derrière vous, que achète, achète, n'achetez pas. Vous avez suivi, non? N'achetez pas. C'est votre bataille, est-ce que c'est la mienne? Vous croyez que moi-même, je n'ai pas le travail à faire? Mets tes lunettes, tu lis, il y a la notice sur ça. Ne travaillez pas sur vous, ne travaillez pas sur vous. Dormez. Ne faites pas des bains de pipi, hein. Dormez. Allez vous pisser, vous tirez l'eau. Pissez, vous tirez l'eau. Mm-hmm. Allez, je vais, non. Voilà. Comme on dit beaucoup de courage, je ne comprends pas le courage, vous faites quoi? Merci, mais je ne vois pas de quoi j'ai besoin de courage. Ni à quoi. Quand je dis beaucoup de courage, c'est comme si j'étais au sol, j'étais à terre, on m'avait à taper. Hmm? Vous devez connaître dans quoi vous êtes. Vous devez connaître qui vous êtes dans la chose. Quel est votre rôle dans la chose? Parce qu'une fois que tu connais, une fois que tu as vu,
On monte, on descend. Tu ne changes pas. Yassina qui a chanté. I know who God says I am. What he says I am. The way he says I'm at. I know who I am. Je sais qui je suis. Ce que je suis. Beaucoup d'entre nous, on a un problème d'identité. On a un problème d'identité. Deuxièmement, vous ne connaissez pas les armes que vous possédez. Donc, tu ne sais pas d'abord qui tu es. C'est comme tu marches en route. Tu t'es cogné la tête, tu as oublié. Donc, tu te réveilles, tu as perdu la mémoire. Tu n'as pas de pièce d'identité sur toi. Yaku, je vais te bloquer. Donc, tu n'as pas besoin de plus d'énergie lumineuse. S'il vous plaît, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu m'as donné la fleur. Je vais te bloquer. Il y a beaucoup de vampires ici là derrière la caméra. Vous allez me regarder comme ça là. Ton énergie va me faire quoi? Vous avez vos expressions de faiblesse que je n'aime pas. Et je ne prends pas ça. Je suis en train de faire un direct, tu me dis beaucoup de courage. Je te demande que le courage pourquoi? Tu me demandes si j'ai pas besoin de. J'ai de l'énergie. Regarde-moi, j'ai l'énergie. Ok? D'accord, tu cherches à comprendre. Attends un peu, je te bloque d'abord. À comprendre ça ailleurs. Tu vas venir me donner une fleur, tu crois que la fleur elle fait quoi avec? Et vos esprits sorciers là. Et plus grand sorcier là-bas, c'est mes followers. Me suis, tu n'as jamais conseillé quelqu'un de ta famille que l'arbre toussait. Tu n'as jamais dit à quelqu'un de ta famille que l'arbre toussait. Tu as accroché sur ma page, que ça là. Tu viens quitter avec ça. Parfois, les gens me demandent que qu'est-ce que, comment ça se fait que, à mon jeune âge, j'ai tellement de sagesse. Si vous, c'est tout le monde, vous voyez le nombre de coups de poignard que j'ai reçus dans le dos. Les flèches. Tu essaies d'aider quelqu'un. Il est en train de comploter avec sa famille contre toi. Ils sont nombreux ici dehors. Tu es là la nuit, tu dis que ouais, Seigneur, on fait comment par rapport à celui-ci? Ouais, je veux l'aider. Tu lui proposes. J'ai une là, elle me dit, je veux quitter la maison familiale. Je veux quitter la maison familiale. Je lui dis, ok. Quand tu veux partir, on voit un peu comment on peut t'aider. Après, ça devient encore comme si c'est forcément la personne. Il dit, mamie, pardon. Laisse alors, tarnant. Il n'y a rien de plus dangereux pour celui qui pratique et pour celui qui reçoit que l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une sorcellerie de haut niveau. Écoutez bien. L'hypocrisie, c'est la sorcellerie de haut niveau. Dans le côté négatif. C'est pour ça que quand vous découvrez la vraie face d'un hypocrite, c'est comme un poignard. Ça fait mal. La nuit, là, tu restes comme ça, là, tu te dis que mince. J'ai regardé un film hier. Et dans le film, le monsieur voulait partir à la conquête d'un nouveau territoire. Il a son frère, ton frère de sang. Il appelle son frère, ok, voilà comment on va faire pour le navire, voilà, voilà. Il laisse son frère dans le salon avec sa femme. Il part pisser dehors. Son frère se rapproche de sa femme. Il dit, hier j'ai fait l'amour à une femme. C'est ton visage que je voyais. Il passe à côté d'elle comme ça.
Ton frère doit être épicé. J'aime encore finir la série parce qu'il y a 6 saisons. Donc, je suis sûr qu'avant la fin de cette saison-là, son frère va vouloir le tuer. Frère, pas copain, pas ami. Frère. Parfois, tu es avec quelqu'un comme ça. Vous faites l'enfant ensemble. Il n'y a pas plus grande exposition que d'avoir l'enfant avec un homme. Ou une femme. Parce que l'enfant est là. Quelqu'un va parler. Oh, c'est mon enfant. Oh, c'est mon enfant. Ok. L'enfant doit manger, non? Hein? Sur l'argent, alors. C'est encore plus pire quand la personne mange bien de son côté. Et je me dis que même si le père de l'enfant souffre, l'enfant doit manger. Pourquoi c'est la mère qui doit toujours aller souffrir pour l'enfant? Ma femme m'a trompé avec des mécaniciens. Moi, je suis ici en Europe. Elle est en Afrique. Ah, Yako. Yako seulement, papa. Est-ce que tu as envoyé l'argent et manger avec eux? Yako. Et pour moi, hein, je me dis toujours que peu importe tout ce que tu me dis, si sur ton propre enfant, tu n'arrives pas à faire, hein, c'est bon. C'est pas moi la femme que tu vas me promettre la lune que tu vas donner. Ta progéniture, tu n'arrives pas à faire. Donc moi, je peux quitter ta vie et pas avec un autre homme. Si ton sang, que tu dis tous les jours devant les gens, oh mon bébé. Bonjour petit oiseau. He's bringing peace, a peace. Let the peace come. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Oh my God. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Très bonne nouvelle. La paix est en train d'entrer dans votre cœur. Peace of God. Ça arrive. Oh, c'est mon enfant. Et c'est quand vous êtes parents tous les deux d'un enfant que tu connais le vrai cœur de ta personne. Tarakashanda la kotoroboshi gatela kaka. Hey! Photo de profil. Oh, mon enfant. J'ai traversé les étapes avec les bébés d'Adi. J'ai traversé les étapes avec les bébés d'Adi. Souvent, quand c'est le jour où tu te lèves, tu chantes que je laisse tout à Dieu. Souvent, tu demandes l'argent de l'école. Bébé d'Adi. C'est là que bébé d'Adi va te draguer encore. Que tu sais que j'ai toujours aimé. Et si tu me laisses 3 ans comme ça, là, m'occuper de l'enfant. Hein? Dans les bras de Dieu, je laisse tout à Dieu. À Dieu. Il n'y a que les mamans célibataires qui savent de quoi je parle. C'est là que tu vois le vrai visage de l'homme. Ton vrai visage. Il y a aussi ceux-là que tu aides. Tu n'es pas obligé de les aider. Voilà la rentrée. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. Avant, à toutes les rentrées, tous mes neveux dans la famille, au moins le sac à dos, j'achetais. Au moins. Mais le poignard de ça, ta fille a demandé à son père l'argent de fourniture. Il a disparu 2 semaines. Ça, c'est bon. Le volume est bon.
Bonjour, monsieur Tata, qui est content de me voir sur TikTok. C'est là que je comprends que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est comme s'il y a une jalousie qui est même... C'est dans le cœur, c'est naturel. Il y a des baby fada qui veulent te voir souffrir. Hey, Karababo Chantala. Voilà l'autre sorcellerie encore. Bariko Sotorobosa. Bonjour, Habib. Il a l'enfant avec toi. Il te laisse périr, souffrir avec son enfant. Parce qu'il veut t'enseigner une leçon. Ça, c'est l'autre haut niveau. C'est la magie noire qu'on a mélangée. Cassandra, merci. Parce qu'il veut t'enseigner une leçon. Et reconnaissez très souvent ces choses-là. Vous sentez ça dans votre chair. Ça fait mal. Quand tu vois la réaction comme ça, ton corps fait un genre. Apprenez à reconnaître vos attaques spirituelles. Tu aides les gens et les gens te trahissent, alors il faut faire quoi? Premièrement, tu arrêtes de les aider. Deuxièmement, tu arrêtes de... Si c'est les gens de ta famille, ils sont inévitables. Tu limites les communications avec eux. Tu ne leur dis pas ta vie. Troisièmement, quand ils viennent demander encore de l'aide, toi-même, tu leur expliques tes problèmes. Tu inventes même les problèmes, tu leur dis. Et de quoi la guérison de ta soeur Lisette? I did build the father of my baby 18 lands, 2 shops in his name after separation, not even $1. Le temps où on travaille encore pour les hommes là est fini. Hein? Single mother. C'est fini. Je ne peux plus être donc, même si on m'a attaché, on m'a mis au fond d'un cachot. Même là-bas, je serai lucide. Mon esprit sera clair. Même si je me donne le cure. Tu vois ça là, hein? Je vais me rappeler que non, l'autre, c'est là. Le grand frère, merci beaucoup de la fortune. Que même les femmes mariées souffrent de la même chose avec leur mari. On cherche même les ennemis loin, pourtant le pire. Maman, je n'ai pas la cloche ici. C'est que je sonnais la cloche pour toi. J'avais le pistolet, je faisais pouf, comme un faux village là que pouf, oui. Je te faisais le, je te sortais ça. Anna, bonjour. Maman, marekoso sobrikato robosanta. Lekusa karikato. Vous savez quoi? On engage de prier un peu pendant même une minute là. D'abord pour mettre les barrières autour de votre esprit. Par exemple, pour la rentrée, si on va essayer de beaucoup vous manipuler. Les korubashi kata la bakosa. Je korobosu kata. Les brikasko zozo brichakate. L'ombre de kasko robosatre. Libranta la kakuska le kacho. Les brante de kasko rabacha. J'active votre protection. Les brousso zuska la kate rebrakosa. Je déclare que vous n'êtes pas manipulable. Louske les brakazoska la kate riba son troska. Toute belle sœur qui a prévu de venir prendre l'argent de votre mari pour payer la pension de ses enfants. L'année si ça ne va pas marcher. Votre mari va mettre vos enfants en priorité. Les brousseaux aussi, la casca. Les briscantoro coscote loboska. Les ouska la cate et la cosca. Mandez les cassocoto roboska. Brisa cosco. Les ouska les bracasca liabasso. Les bacusca la cato roboscantra. Marie socoto. Les cocorusca talacasque. Oshka liabassontro. Les cacoracasque. Les personnes qui vous intimidaient, qui vous demandaient l'argent. Tu ne dors pas la nuit parce que tu vas aller lui envoyer l'argent. Les ouska les crasca taliasa. Les gens qui ont pris votre argent pour aller pratiquer sur vous. Okasi kara, okosko roboshke, la kakuntre, les brusques, les cascos, les brascozo, les kakandre casca. Je coupe les cordes d'influence. Les brusques ne baboska, les branteke kerabose, les bratikata, mande le koska le kata. Je vous libère de la manipulation. Mets la main sur le front. Toute personne quelque part qui mentionne ton nom, qui parle, que tu dois me donner. Avec TikTok, hein, les gens pratiquent aujourd'hui. Tu es là comme ça que quelqu'un est en train d'allumer ou bouger quelque part pour pratiquer sur toi.
Zekorus kotona bakate, o kokoraka sikata, les bras katorobos sont trop côté, la kotoroboska, avec la main sur le front, je fortifie ton esprit, je fortifie ton esprit, j'ouvre ta gorge pour que tu parles, que tu dises non cette fois-ci. Tu dis non, rekosakate, les bras kosondoroboskata bari yasandra. Toute personne qui allait prendre un truc pour te manipuler. Mazé koto roboskate, o koto roboska, qu'au son de sa voix, tu vas faire ce qu'il dit. O rabakate, les blacks oskata rabakasa. Nous cassons les boîtes dans lesquelles on vous a fermé, les bouteilles dans lesquelles on vous a enfermé. Rosso koto roboski de basontra, les risques koto roboski de kaza, Zezus kalakata da kaska, je koto robosantra kadia da bosante, o kokura kadia da bakasantre la koska da la basso. J'active votre chakra du cœur. Voyez une lumière qui sort de votre cœur, comme un soleil qui grandit, qui vous enveloppe, qui vous enveloppe, qui vous enveloppe. Je fais le tour cette fois. Qui robo chantre, rokoskotorake, rosukariati, likroskotoroboshka, lekukoroska, labeye la basontroska. J'active votre champ énergétique de protection. Mare kosozo brista kakati. Mantele broso koro koska. Malheureusement, il y a ceux que seulement en voyant ce qui t'arrive de bien, ils pratiquent déjà contre toi. Je suis désolé. Tu accouches, quelqu'un vient, il voit ton enfant beau, ça l'énerve. Voilà le monde dans lequel on vit. Gardez les photos de vos enfants pour vous, s'il vous plaît. On voit ton enfant est beau, ça les énerve. Quoi tu me dis? Parika chantalia d'abassante. Au Kouskari. Ufi est là. Elle voit son frère se met en couple. Où elle va épouser son frère? Elle montre son frère contre sa femme. J'en ai vu. Faites attention aux personnes dans lesquelles, les mariages dans lesquels vous partez là. Il y a les belles mères sorcières. Belle mes sorcières. Les problèmes que tu as avec ton mari là, c'est elle. Tu sais que vous vous aimez. But you cannot stand him. Dès que tu entends sa voix comme ça, tu es fâché. Toute inimité qu'on a mis entre toi et l'homme de ta vie, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit comment ça a été gâté, au son de ma voix, comme tu m'écoutes, Hubert, bonjour. Comme tu m'écoutes, je restaure vos émotions l'un envers l'autre. Je remets la détermination en toi. Reprends ta détermination. Il y a les gens qui t'observent pour voir. Elle va bientôt manquer l'argent. On connaît son revenu. On sait qu'elle ne va pas s'en sortir. Voilà la rentrée. Elle va faire comment avec trois enfants? Depuis 6 mois, je vous prêche ici, là. Préparez la rentrée de vos enfants. Voilà le moment d'humiliation qu'on attend pour vous mettre devant le mur. Il déclare qu'on ne va pas t'humilier.
tu ne seras pas humilié. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. You shall not be ashamed. La honte qu'ils ont prévue pour toi là. Hmm? Que voilà septembre, on attend. Il attend le message. Que tu fais comment pour l'enfant? Ouvrez la bouche, vous priez encore. J'appelle l'argent à vous pour cette rentrée scolaire. Les couches kalabakaski la bazosa, li kasus kalakate, rose koto robo chantre, li kakarakaka, toute personne qui médite votre perte. Nous retournons, nous chargeons sa fois 7. Selon Deutéronome chapitre 28 au verset 7. Nous retournons à l'envoyeur. Je vois comment ils sont dans une salle ensemble. Ou bien par message. Ils disent qu'on va voir, non, la rentrée arrive. On va voir comment elle va faire. J'appelle un agent miracle. Quelqu'un que tu ne t'attendais pas va venir te donner l'argent. Quelqu'un que tu ne t'attendais pas va venir te donner l'argent. Rabako sokoto. Likatara kacho. Merakus katala kache. Okokoji katara kaske. Ruskalabakashendra. Likokorokoskupta likasha. Rikatorobosontro koskotorobosha. Dieu n'a pas besoin de temps. Quand Dieu fait ces choses, ce n'est pas le temps qu'il a besoin. Que, oh, il reste seulement une semaine, tu vas faire comment? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a l'argent. L'argent est là-dedans. Que cet argent te localise. Quelqu'un qui te devait depuis, qui te rappelle, il te donne ton argent. Il demande seulement, je dépose dans quel compte? Je mets dans quel compte? Mesus kali kato, Jose kakari kato, Rika kari kachandre, Oko jakatali kakare, Oko zus kali katara kaskoto. Il y a une femme ici là, tu veux reprendre ta formation depuis. Chaque rentrée scolaire, tu as un trou financier énorme. Depuis 3 ans, tu n'arrives pas à retourner à l'école. Ça, c'est ton année. Le Seigneur est en train de te faire un shift énergétique. Tu vas retourner à l'école. Ou bien il y avait une formation que tu guettais depuis. C'était dur. Tu avais tout planifié pour septembre. Un problème est sorti, deux, trois. Deux, voilà, tu n'as plus rien. Tu as rêvé que tu étais nu sur la route. Envoie ta photo, je travaille sur toi. Vous n'aimez jamais payer les gens pour qu'on travaille sur vous. Envoie ta photo, tu payes, je travaille sur toi. À défaut, tu me laisses tranquille. Je ne donne pas les astuces aux gens, je travaille sur les gens. Tu as compris? C'est ça que tu attends qu'ils te disent que prends là et tu fais comme ça là. Va en ligne, tu cherches, tu peux trouver des astuces. Mais moi, je travaille sur les gens. Je fais du business. Ok? Voilà. Tu vois, tu veux qu'écrire ça depuis. Tu vas retourner à l'école. Tout diplôme qu'on t'a volé, spirituellement, physiquement. Il y a quelqu'un, si tu as composé depuis, le diplôme n'est jamais sorti. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais attends, je te bloque. Vous faites vos conneries là-même. TikTok, la cour de récréation. Diplôme que tu as, je vois aussi quelqu'un même que tu as même oublié. Un moment c'était dans ton esprit, après un autre problème qui était encore plus lourd que ça est venu. De problème en problème, tu as oublié ton but initial. Maria, je suis pas fâchée. Attends, je te bloque. Je suis en train de prier. Ne venez pas me distraire vos bêtises. Oh, Akabema, tu me donnes l'argent. Toi qui paye mon loyer, le téléphone avec lequel fait mon direct, c'est toi qui as payé. Donc, tu avais ton but initial au départ. Tu savais que si tu fais la formation là,
Même si tu reçois les gens chez toi dans une chambre, ça augmente ton revenu au moins de 2 fois. Et là, il y a eu une succession de problèmes, si bien que, premièrement, tout l'argent là, tout l'argent là est perdu. Deuxièmement, tu n'y penses même plus. Donc, c'est comme si on a enlevé l'objectif là de ta main, on est venu mettre un autre objectif. Donc là, dans ta tête, tu te dis, il faut que je cherche l'argent pour payer cette dette-ci. Alors que cela, 2 mois, 3 mois, tu cherchais l'argent pour payer ta formation. On a fait un échange de destinée. Tout diplôme que tu as perdu, toute reconnaissance que tu as perdu, que tu devais avoir, que tu as perdu, comme tu écoutes, tu m'écoutes au son de ma voix dans ton oreille, je réactive dans ton esprit ce que tu as perdu. Je réactive dans ton esprit ce que tu as perdu. Je viens te décorer. Je viens t'élever. Un moment, tu vois le diplôme, c'était presque là. Après, ça a fui. Bonjour la grande de cœur. Ça a fui. Tu ne finiras pas comme tes parents illettrés. Tu ne finiras pas comme tes parents illettrés. Je déclare sur toi des diplômes qui vont te donner l'argent. Pas les diplômes que tu prends, tu déposes dans la moire, tu ne fais rien avec. Toute humiliation qu'on a prévue, je suis désolée. Hein. Quand tu doutes si quelqu'un médite ta perte, la personne est en train de méditer contre toi. Il y a des gens qu'ils ont prévu que tu sois au mur. Quand ils voient quelqu'un en train de t'aider, aïe, Jesus. Je vais vous raconter quelque chose. Hein. C'est vrai que je n'étais pas très correcte le jour-là. Ça fait peut-être 4 jours. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu une belle fille. Tu vois, le genre de fille qui est very mindful, very cutie, very demure. Ok? J'espère que vous me comprenez. She was demure. Elle était demure. Elle avait une petite thermos rose dans son sac. Elle était mindful. Elle était demure. Elle était cutie. Avec des beaux ongles roses. Je l'ai regardé comme ça. Je sens la jalousie dans mon cœur. Je dis que c'est quoi ça? Je vous dis moi, vous savez que moi, je sais pas, peut-être c'est un défaut. Sometimes I'm too open. Parfois je suis trop honnête. Je sens la jalousie dans mon cœur. Elle est habillée en rose, un rose doux comme ça. Avec de beaux ongles. Je regarde comme ça. J'étais peut-être à 2 personnes en arrière par rapport à elle. On passe tous les taux de check-in qu'ils font sur le corps et les vêtements. On va s'asseoir dans l'avion. Attends, il te bloque. Vous aimez trop les plaintes. Votre esprit est toujours concentré sur les plaintes. Je n'aime pas. Ce n'est pas le commissariat ici. On s'assoit dans l'avion. L'hôtesse commence à distribuer la nourriture. Vu la fréquence avec laquelle je vole souvent, les hôtesses là, souvent la fille là ne m'écoute pas. C'est que la fille là m'écoute. L'hôtesse arrive vers elle. L'hôtesse commence à être gentille. Oh, vous voulez quoi? On nous a donné chips dans l'avion le jour là. Elle dit que non, elle ne veut pas les chips.
L'hôtesse lui dit, ouais, tu veux quelque chose d'autre. L'hôtesse commence à être gentille. Tu vois, comme quand un bébé voit que sa mère est gentille avec une autre personne par rapport à elle. Je vous assure que j'ai commencé à être jalouse de la fille là qu'on est gentille avec elle. Après, je reste comme ça là. Mon esprit me dit que la fille là t'a fait quoi? Moi-même, je reste comme ça. Je dis, yeah. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je vous ai parlé une fois d'une femme que j'avais aussi vue dans l'avion. Je crois que c'était Côte d'Ivoire. On allait à Abidjan. On est passé par Abuja. On porte la jeune femme. Elle est belle. Avec une belle bague en diamant, en bague de mariage. Son mari, mignon. Tous les deux sont jeunes. Et elle n'était pas le genre de fille qui est surchargée. Le sac de l'enfant est ici, là. Elle a son sac en main ici. Son habit un peu baissé comme ça, là. Elle dit, non. Son mari avait porté l'enfant. Donc, c'était le genre de gars qui pense à la beauté de sa go. Elle avait une belle perruque. Bon, je la vois et dis que, bon, sûr qu'elle est, elle doit être une personne qui est, elle doit être vilaine, genre, elle n'est pas gentille. Elle entre. Il y avait une maman qui devait s'asseoir à côté d'elle. Elle se lève et parle en français. Madame, vous voulez que je vous aide? Hey! J'ai dit que yeah, elle est belle, elle est mariée, elle est heureuse et elle est gentille. Je vous assure. Oh, vous voulez que je vous aide? Elle avait pas, elle déplace la maman là, elle a fait s'asseoir sur son siège. Elle dit, vous êtes bien assise? Je regarde comme ça là. Écoutez bien, hein. Écoutez bien, je suis en train de vous amener quelque part. Je regarde comme ça. Ça m'énerve. Après, il finit s'asseoir. Elle roule l'anglais américain avec son gars. Oh non, non, she's all I say, you know. She's fine. Yeah, thank you. Je regarde comme ça là. Son mari prend l'enfant et met sur ses cuisses. Après, il demande, est-ce que tu vas bien? Elle dit, yeah, I'm okay, yeah, thank you. Il dit que, wonderful. Elle était demure. Elle était cutesy. Elle était mindful. Un jour, je suis restée comme ça là. Dieu me montre que, si tu ne connais pas ces gens, et tu les vois une fois de ta vie, ce que tu vois apparemment d'eux, ça provoque ce sentiment. Combien de fois les gens avec lesquels tu as grandi? Hein? Hein? Ton collègue de bureau, il peut porter le poison, il vient te donner. Tu me trouves ici. Une semaine plus tard, le patron ne jure que par toi. Le patron ne jure que par toi. Tout. On dit seulement qu'à appeler Gordo. Tout, c'est Florence, Florence. Florence par-ci, Florence par-là. Les primes, c'est Florence. Imaginez. Je vois quelqu'un que je ne connais pas. Je sais que je suis sûr qu'il ne verrait plus la fille qui était du mur là. Je suis sûr qu'il ne verrait plus de ma vie. Mais pendant les 1 heure 10 minutes que je suis passée à côté d'elle, je la regardais de derrière. Elle même, on n'était pas face à face. Elle m'a regardé de derrière comme ça. Elle était mindful. Elle était cute, you know. Elle était demi-heure. Elle s'assoit. Elle était... Donc... Aïe. Elle avait l'iPhone. Vous avez déjà des filles là tout l'iPhone. Non, souvent, j'ai des conversations dans ma tête. J'ai des conversations terribles dans ma tête. Imagine la sœur de ton gars. Ton gars qui est son frère, qui ne partait nulle part. Il ne partait nulle part. Il te rencontre. Tu as un style où tu es bien, non? You know, girl. Vous me suivez, donc vous connaissez comment vous êtes. Vous êtes demure. Vous êtes cute, si, you know, you're mindful. Vous êtes, vous voyez un peu, vous connaissez. Hein? Vous êtes zen.
On vous annonce des mauvaises nouvelles. Vous êtes toujours zen. Le gars entre dans ta vie. Tu commences à lui dire non. Tu es un roi. Tu seras riche. Les choses que chez eux, sa mère et lui là, dans leur famille, c'est toujours le « Oh, telle personne me doit 50 000. Oh, je n'ai pas 5 000. Oh, je n'ai... » Dès qu'il arrive à côté de toi, il devient demi-or. Sorel, elle a écrit demi-or là, que maman, j'ai pas encore vu le châssis. Elle a écrit T-H-E, espace, M-I-O-R. Demiur s'écrit D-E-M-U-R-E. Ok. Hey. Donc, tu es avec lui comme ça, tu lui dis, bébé, achète le terrain. Mais planifie le terrain, achète un terrain d'ici la fin de l'année. Bébé, fais qu'il faut construire, monte même quelque chose. Monte un petit immeuble là comme ça, non bébé. Et sa soeur qui suçait son argent tous les jours, Korabakashi, Katarako, Sontro, ça, ils sont exposés aujourd'hui. Vous savez qu'il y a les familles qui vivent aux dépens de leurs enfants. Tu vois une famille comme ça. La mère sait que dès qu'elle va faire, le fils va être là. Maman, tu veux quoi? Ses deux soeurs savent que dès qu'on va faire, il est là. Prenez, j'ai envoyé l'argent à mes soeurs. Toi, tu viens dans sa vie. Tu commences à... Non, bébé, on peut... tu peux acheter une moto, tu mets en route, ça roule, non? Hein? Tu peux acheter une moto, ça roule, non, bébé? Ça te fait un petit revenu par mois, là. Hein? 6 mois plus tard, il a déjà 4 motos dehors. Hein? Il commence à aller en week-end. Il commence à aller dans les week-ends de Mion avec toi. Vous partez en week-end, vous faites les statues. Il est dans la voiture, il roule. Il dit, je suis demi-or avec ma gueule. Hein? Ha! Carrosso, souska, la cachon, te robo centra. Écoutez, hein, parfois vous vous demandez qu'on me déteste, pourquoi? Ha! Ha! Carrosson, trop. Et on me montre ici là une fille que tu es jolie jusqu'à. Le jour où ta belle soeur t'a vue, son cœur fait comme ça là. Hein? Oui. Ton teint d'abord, mamie. Ton teint. C'est le thème que vous voulez voir. Mamma mia. Parfois tu restes. Et il y a les familles qui préfèrent que leur fils soit célibataire. Au lieu qu'il soit avec une fille qui est demi-or. Oui. Non, non, tu as arrangé ses objectifs. Tu as fait mes 10 élèves le matin. Il planifie sa journée. Hey! Sa mère appelle, il ne décroche pas. Il la rappelle le soir, maman, tu voulais quoi? Parce qu'avant, elle appelait 5 fois par jour. Il y a les hommes qui ne sont pas. Ils sont mariés à leur mère. Ils sont mariés à leur mère. 10 fois par jour, elle appelle. Au lieu d'être fière que son frère embellit la famille, elles sont fâchées, belles-sœurs. Mais oui. Elle savait qu'elle s'élève à 6 heures. Comme elle n'a plus de gars, là, c'est son fils qu'elle va déranger. Il faut dire à vos belles-mères d'aller se faire... qu'elle se trouve des petits gars qui vont... Vous savez de quoi je parle. Tu sors d'une relation de 10 ans. Les raisons, c'est exactement ce que j'évoque. Voilà. Qui est là? Vous cherchez quelqu'un? Ok.
trouve comment. J'arrive pas à ouvrir. Ok, là c'est bon. Oui. Bonjour madame, désolée. Désolée de vous déranger. En fait, là, moi je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a la communauté, ça ne dure plus dans la semaine. Et quand ça remonte, on ne sait pas ça se fait. Comme nous sommes dans une région de 3 semaines, on n'a pas pu traiter le Donc moi, le premier oui. est passé. D'accord. Ok, ça va, 8h30, c'est dans une heure, je crois, encore. Moi, je vous attends juste à l'appartement d'à côté. C'est celui-là, juste là. Non, pas celui-là. Avant de descendre. Juste à la clavière. C'est en fait, c'est parce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a eu un crime depuis 30 semaines. Et vu que vous êtes là, si vous tirez après 5 décembre, ça peut vous déranger et vous en passez des versets. Bon, je vais vous écrire sur WhatsApp parce que le gardien m'a donné. C'est Sophie. Oui. Je vais vous écrire comme ça, vous pouvez me faire un message. Et dans une heure, mais je vais déjà le dire parce que il est une chambre. D'accord, ok. Quelqu'un qui trouve le direct. Non, c'est la propriété de l'appartement. Alors moi, le plombier doit venir dans une heure de temps. Donc comme ça. Bon. Je suis dans un appartement meublé. Ok. On parlait de demi-heure. La femme s'est venue couper mon demi-heure. Oh. Attendez, je dois lui envoyer un message pour qu'elle ait mon numéro. Excusez-moi, attendez une minute s'il vous plaît. On revient à nos commentaires. Vous savez, parfois, tu restes comme ça. Parfois, tu restes comme ça. C'est dans les... C'est en revenant sur certains faits que tu comprends beaucoup. C'est en revenant, donc, tu restes comme ça, tu repenses encore. C'est là que tu peux voir le comportement de certaines personnes. Tu te rends compte que, depuis le départ... Tu te rends compte que c'est depuis le départ qu'on t'avait montré les signes, mais tu as ignoré les signes. Demiure, c'est D-E-M-U-R-E. Moi, j'ai compris que le motif de haine de beaucoup de personnes, c'est la jalousie. Il y a des belles-mères qui sont jalouses de leur belle-fille. Elles préfèrent te voir souffrir avec ses petits-enfants au lieu que tu sois bien à côté de son fils. Parce qu'elle veut te manipuler. Quand toi-même, tu as un esprit fort, tu sais que si elle te manipule, tu vas finir comme son fils. Or, toi, tu as déjà ton attitude de mion. Ok? On va mettre Marie par ici. Mary, Mary, la mère de Jésus. Voilà. Est-ce que si elle
elle laisse son fils, il va lui échapper. Or, si elle avait réussi dans sa quête ou bien dans la façon dont elle a élevé cet enfant, tu n'aurais pas trouvé dans le pétrin dans lequel tu l'as trouvé. C'est pour ça qu'il y a même des hommes que pendant un période, ils doivent couper tout contact avec leur mère. Je ne sais pas pourquoi je prêche beaucoup sur les belles-mères aujourd'hui. Si tu es une belle-mère qui est méchante, tant mieux pour toi. Ta belle-fille est dans le direct, elle m'écoute. Elle va te démiurer, tu vas voir. Aïe, ah, yeah. Alpha, tu ris. Je me suis mariée en 2017. Et moi, j'ai toujours les bonnes qui sont... qui ont des mamans très jeunes. Donc, entre la maman de ce pain-là et moi, il y avait maximum 15 ans de différence. Maximum. Parce qu'entre le pain et moi, il y avait 8 ou 10... 10 ans de différence, je pense. Et sa maman l'a eu très jeune. Donc, entre sa mère et moi, il n'y avait pas trop de différence. Oui. Je crois qu'à l'époque, j'avais 30 ans, elle avait 45, 42, 43 ans. Quelque chose comme ça. Oui. Je venais à peine d'avoir 30 ans. Quand je me mets avec lui, il ne parle pas avec elle. C'est pour ça que j'ai décidé que je ne réconcilie plus personne avec personne. Quand je le rencontre, il avait décidé, tellement elle avait fait des coups bas à son fils. Dès que j'ai envoyé 2 millions l'autre jour au pays, elle a pris, elle est partie faire quoi avec eux, je ne sais pas. Il ne lui parlait pas. On avait fait peut-être 6 mois ensemble avant qu'il me la présente. En 6 mois, il avait jamais acheté quelque chose, que ça c'est pour ma mère. Mais voilà, j'arrive. Que oh, c'est ta mère, non. Oh, c'est ta mère, non. Ouais, il faut que tu me rappelles un jour, il tente de conduire. On rentrait de Paris. On rentrait sur Reims. On était sur l'autoroute à une intersection là. On s'est engueulé. Sa mère a appelé. Elle appelle. Depuis, elle fait ce qu'appeler, appeler. Il voit le défoncer. Il jette. Ça l'énerve. Il voit qu'il conduit. On a failli faire un accident parce que tellement elle énervait. Je me rappelle, il tente de conduire. J'étais à côté de lui. J'ai arrêté le son du téléphone. Et j'étais en train de lui dire que ouais. Ouais, c'est ta mère. Je ne savais pas que 6 mois plus tard, ça c'était en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Je ne savais pas qu'en avril qui suivait, cette femme-là allait être la cause de beaucoup de nos problèmes. C'est pour ça que progressivement, on s'était connus en janvier ou février. Mars, je suis allée le voir pour la première fois. Avril, je suis reparti. Je suis restée un peu plus. Et puis, je me suis installée totalement là-bas. Il me l'a présenté en septembre. Le temps passe. Il y avait généralement l'habitude de qu'il reste comme ça. Il va en ligne, il m'achète les habits. Donc, il dit, oh, moi, il veut que ma femme s'habille bien. Il m'achète même 4 paires de chaussures en une fois. À l'époque, là, je mettais les perruques. Je mettais les cheveux des autres personnes, là, les cheveux des gens, là. Il m'achetait les perruques. On prépare son voyage pour le pays en octobre. On demande que, bon, maman, on t'envoie quoi? Vous savez ce qu'elle demande? Devinez, pardon. Devinez, essayez un peu, pardon. Merci, Cindy. L'argent, téléphone, voiture. Ça a un rapport avec moi. Elle demande ma perruque.
Ma perruque. Lumière divine, tu as deviné perruque. Mais c'était ma perruque. Tu sais, je veux un truc comme pour toi là. Bon, oui, donne-moi ta perruque, non? Il dit, yeah. De tout ce qui est possible qu'on peut te donner. C'est ma perruque que tu veux. C'est là-bas que l'envie commence. Observez les gens autour de vous, s'il vous plaît. J'en ai payé les frais avec ma vie. Dès que quelqu'un commence à observer tes chaussures, il veut. Ta perruque, il veut. Aïe. J'en avais quand même quelques-unes. Il y avait une que j'aimais particulièrement, elle avait une fente sur le milieu. Tu sais, parfois, hein, ces femmes-là sont des sorcières. Oui, même les habits. Et non, tu sais que vous êtes parti au restaurant l'autre jour, j'ai vu son... Et c'était quelqu'un qui snappait beaucoup. C'est quelqu'un qui snappait beaucoup. Donc, snap et statue. Et on sortait énormément. Moi, j'ai toujours été demi-heure, vous savez. J'ai toujours été demi-heure. J'ai vécu en Angleterre quelques années. Et s'il y a une coutume chez les Anglais, c'est de le couple sort tout. Donc, le couple, c'est que non, on sort. On sort. Tous les week-ends, petite sortie, on tape un peu le style, les habits, on prend la voiture. Oh non, j'aime la belle vie quand même. Hein. Ouais. Et le père de mon ex, c'était un petit villageois. Excusez-moi, Seigneur. Dis que quelqu'un est villageois, c'est pas l'insulte, non. Hein? C'est pas l'insulte, non. Il ne connaissait pas les bonnes manières. Son fils avait les manières, mais lui n'avait pas. Je me demandais parfois, mais attends un peu. Tu es sûr que tu es le fils de ton père? Bon. Il dit que non, il fait ma perruque. Il dit que non, j'ai fait les calculs. Que le mari de la femme, si... Vous savez que si elle voit comment nous on vit... Hé, on avait la vie. Et il aimait beaucoup les voyages. Un temps de mouvement, boum, on est en Pologne. Un temps de, on est en Allemagne. Hôtel. On fait le, il fait le snap, il met sur son statut. On est au restaurant. Tant il filme. On rentre 4 jours plus tard, il dit, on part encore. Les Camerounais ont mon combat, hein, sénateur. Ha. Je reste là. Je crois qu'on lui avait envoyé. J'avais peut-être pris 2-3 choses de mes chaussures. Je lui ai envoyé. Ça, c'est les erreurs qu'elle ne peut faire. Hein. Tu achètes ta part de choses. Je suis sûre que j'ai envoyé une perruque à ce moment-là. Je suis très sûre. Il va au pays. Il va à ma famille. Il voit la sienne. Il revient. Et c'est un homme qui était rapide. Quand rentre du Cameroun, le jour où mon investi me donne la bague. Ah! Mes propres soeurs d'abord ne me laissent pas. Quand ils ont vu comment il y avait la bague au doigt là, jalousie de ça. Ma famille ne me laisse pas. Ça n'a pas même aussi. Ne me laisse pas. Quand il m'a demandé un mariage comme ça là, 30 jours plus tard, on est parti que le mariage continue. On arrive, on finit le mariage, on revient. On commence à avoir des problèmes de couple, comme tous les couples, bien sûr. Et là, il parlait mieux avec elle. C'est dans cette relation que j'ai eu une violence conjugale. Je crois que ça, il m'a fait ça. Septembre, il avait fait. Après, il y avait un espace. La prochaine fois qu'il reprend, c'est en février. Bon, en février, quand ça se passe, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles on ne s'accordait pas. J'appelle la police. Essaye de voir. J'ai appelé la police. Il a fait ça en février. Il a fait en avril. C'est en avril qu'il a fait ça la dernière fois et puis on s'est séparés. Mais je crois qu'en février, qu'il a fait, j'ai appelé la police. Et en attendant que la police arrive, il a appelé sa mère. Oh, elle veut faire qu'on rapatrie mon fils.
Je t'avais même dit, je t'avais tout dit que la femme là, je t'avais dit. Et là, tu dis que, ah, donc quand elle était venue te parler de moi, j'avais à commencer à dire des choses. Il arrive, il passe la nuit là-bas, ça le refroidit, ça me refroidit. Le lendemain, il devait revenir le lendemain pour presser la charge, parce que la police n'a pas le droit de retenir quelqu'un si tu n'as pas une plainte qui est déposée. Le lendemain, finalement, je lui dis que je ne porte pas plainte. Que rentre à la maison, on voit comment on va régler. On rentre à la maison. On a fait 3 jours. On ne parlait même pas. On n'osait pas parler parce que malheureusement, de son côté, il avait impliqué les gens de sa famille. Et quand tu parles déjà de ta femme, de ta femme, bien, ta famille dit, on t'avait dit. C'est là que tu vois les vraies choses sortent. Qu'on t'avait dit. Finalement, nous deux, on s'assoit et on comprend que dans la fête, si notre couple doit marcher, ça va être seulement nous deux. Parce qu'il y a des choses qu'il faisait que je voulais qu'il arrête. Il ne voulait pas arrêter. C'est là maintenant que sa mère savait que ce qu'il faisait, ça faisait. Il envoyait l'argent à sa mère pour qu'elle fasse ses affaires avec. Et elle encourageait. Je lui disais que si ton fils doit fonder une famille, il y a d'autres activités qu'il peut faire. Il ne peut pas continuer celle-ci parce que ça peut le mettre en prison demain. Moi, il ne peut pas me retrouver. J'ai les enfants avec quelqu'un. Il part en prison. Il fait 10 ans. Elle, tout ce qui l'intéressait, c'est que même s'il part en prison, s'il a conçu l'immeuble, n'est-ce pas, je gère l'immeuble. C'était tout ça pas là-bas. Un jour, je me dis, on venait de faire l'amour. Tu vois, quand c'est là que la bouche s'ouvre. Il dit, ma mère m'a dit que on ne fait pas confiance à la femme. Que maintenant, elle doit plus te dire mes choses. J'ai dit, Et quand il me dit comme ça là, il me dit, viens, je vais te montrer ce que j'ai fait pendant les 2 semaines si on ne se parlait pas. Il part, il me montre. Il y avait d'autres business qu'il avait commencé. J'étais choqué. Ça n'a même pas fait 3 jours, on s'est séparés. C'est lui-même qui est parti. Il me dit, parce qu'il m'a montré, je lui ai dit que, parce que ça, à l'époque, je n'étais pas encore connu sur les réseaux sociaux à ce point. J'avais une page qui avait peut-être 2000 abonnés sur Facebook. YouTube, alors, j'avais peut-être 10 abonnés. Hein. Et je lui disais toujours que, en faisant des choses droitement, avec le temps, on va être riche. Mais ce n'était pas sa philosophie. Et vous savez qu'un homme, c'est comme toute personne. Si tu lui racontes le mensonge longtemps, il va croire. Si tu lui racontes la vérité longtemps, il va croire. Donc, les nouvelles choses qu'il m'a montrées ce jour-là, le lendemain, quand on est posé, je lui dis que tu sais que tu dois arrêter ça, non. 2-3 jours, on fait encore des problèmes. Il porte et je dis pas. Il dit que non, ma mère m'a déjà dit, je ne veux même pas, je ne veux pas savoir. Je le voyais le téléphone, il est en train d'écrire à sa mère. Il y a beaucoup de mères qui sont les causes de vos séparations. Beaucoup. Et c'est très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour vous de ressasser les choses qui sont passées. Pas dans le mauvais sens, genre, oh, ils m'ont fait ça, non. Mais c'est par là que tu peux voir tes failles. C'est par là que tu peux voir ce que ces personnes ont fait. Après, il reste, il me dit, on se sépare. Il fait 1 mois dehors, je reste à la maison. Je commence les activités, je commence à payer le loyer. Après 1 mois, il revient me voir. Il revient dans ma ville, parce qu'il n'était pas géré dans notre ville. On s'assoit, on parle. Il dit que tu sais, la vie, si... Et en 1 mois, bien sûr, qu'elle a eu le temps maintenant. Et ces belles-mères, la tchèque, elle se lève à 6h et demande, ta femme t'a écrit. Elle a dit que quoi? Hein? Il dit, non, maman, elle a dit comme ça, comme ça. Elle dit que réponds comme ça. Je vous assure. Ah, elle m'a demandé ça. Non, ne donne pas, ne donne pas. Ne donne pas. Oui, ne donne pas. Le matin, il t'a dit que non, je vais voir en journée, je vais voir.
Il rentre chez lui et dit non. Tu crois que c'est qui? C'est sa mère. Sans compter les mères qui partent chez les... Après, il revient lui dit, j'ai eu à travailler, j'ai vu le père là. Et quand tu l'as rencontré, tu as montré le bain de sel, non? Tu as montré que tu suis reine lumière, non? Non? Donc, il a dit à sa mère que tu me suis. Donc, sa mère sait que tu connais deux, trois choses qui peuvent bloquer Sengrimba, elle. Ma belle-mère appelait tout le temps. Elle voulait même savoir si je fais la cuisine. Ah! Hey! Après, je dis, elle a dit que quoi? Et les hommes. La mère a oublié ce que l'homme l'a partagé avec toi. Vous vous êtes aimé. Si bien sûr vous êtes aimé. Tu me donnes le petit déjeuner. Non, tu fais les trucs de minceur. Tu me donnes le croissant. Pourquoi? Biomaf ou c'est biomaf là. Tu fais les trucs, mais ça, tu me donnes le croissant, pourquoi? Tu veux me faire grossir encore? Hmm? Tu me donnes le petit déjeuner, mets les fruits, donne-moi les fruits, donne-moi la mangue avec l'avocat, avec la papaye. Voilà. Elle oublie que tu as eu un lien avec cet homme. Tu vois, tu l'as laissé rester avec sa mère. Elle oublie. Ou bien... Parce que dès l'instant que vous vous liez intimement, il penche à t'écouter. Et c'est vrai que tu n'as pas l'expérience. Hein? Mais l'intimité qu'il y a entre vous et l'amour que vous portez l'un envers l'autre, c'est censé vous guider. Mais malheureusement, ces sorcières sont bien rodées. Ce sont les rombiennes. Les belles méticones. Corinne, tu déprimes, tu ne peux pas échanger avec moi. Je ne parle pas avec les gens qui dépriment. Tu as compris, mamie? Désolée. Il faut te laver avec le sel aujourd'hui et demain. Après, tu demandes une consultation. Mais si tu es en dépression, là, on ne peut pas se parler. Notre énergie ne va pas correspondre. Je ne peux pas te parler. Ok? Lave ton sel aujourd'hui. Là, il est 7 heures. Va te laver au sel tout à l'heure. Demain, tu te laves encore. Matin, soir, matin, soir. Quand tu arrives au départ comme ça, elle te pose les questions. Elle te pose les questions. Elle te pose les questions. Tu réponds naïvement. Hmm? Parce que la majorité, quand vous allez en mariage, vous êtes encore jeune. Tu veux obéir, tu veux être obéissante, respectueuse. Tu ne veux pas qu'on dise que tu n'es pas respectueuse. Parfois, ils ont mis le groupe familial dans lequel on décortique ton nom. Parfois, tu as mis le surnom. On te donne un surnom, si bien que si tu rentres dans leur groupe, même pour savoir que c'est de toi qu'on parle, tu ne peux pas savoir. Oui. Stéphanie, que ton histoire est dehors. On attache ton nom comme le chewing-gum. Oui, Astrid, c'est ça. Et c'est comme ça que tu joues au lendemain, tu vois comment ton nom change.
un esprit qui entre sur lui. Les périodes où vous avez un petit problème là, alors, vous faites 2 jours sans vous parler. Les choses qu'on va mettre dans son esprit. Vérité, il change même te donner encore 10 euros. Tu demandes si on... Cette famille-là voulait plus de toi. S'il le pouvait, il t'aurait rendu folle. S'il le pouvait, ils auraient pris ton étoile. J'ai une femme que j'ai consultée une fois. Sa belle-mère voulait la tuer. Et l'esprit la parlait à travers elle. Il dit, c'était sa soir, le soir de sa dot. Ils sont venus, ils ont mis une chaîne sur son cou. Quand on voulait la prendre à sa famille. Elle dit que la chaîne là, c'était la prison. Bénédiction divine. Quand tu écris, je sens ta douleur. Je sens que tu as traversé. Oui. Si tu écoutes ce que initialement ils avaient prévu pour toi, tu auras mal. Parfois on veut que tu deviennes folle. Parfois, on fait de telle façon que tu te négliges même. Tu vois, quand il te draguait, tu étais encore cutesy, you know, cutesy, mindful, demure. Marielle, tu dis que la société, ils ont que pourtant ils ont les filles. Ils s'en foutent. La mère et la fille sont chez le sorcier pour te bloquer, toi, la femme de leur fils. Oui, Alpha Omega, merci. Ou est-ce que tu te négliges encore, est-ce que tu dis que yé. Souvent, tu te regardes au miroir comme ça, tu dis que yé. Monsieur Nathaniel, bonjour. Est-ce que c'est moi encore ici? Que ta belle famille t'a touché. Vous savez que seulement le fait que deux personnes s'asseyent, ils parlent mal de toi. C'est comme si on écrase ton nom dans la machine, non? Hein? Elle croit même que quoi? Ils écrasent ton nom. Ils écrasent ton nom. Ils écrasent ton nom. Tu le sens, tu es mal à l'aise. Problème dans le couple. Pam, pam. Priez, hein, priez. Si tu fais une semaine, tu ne jeûnes pas. Tu vas te coxer dans le rêve. Voilà la prise de poids. Certaines personnes, les mauvaises énergies vous font manger beaucoup. Oui. J'avais pris un poids pas possible, tellement je stressais. Ma belle-mère, c'était une autre. En plus, une blanche. Oh, yo. Je ne savais pas que les blancs étaient compliqués. Tu buvais le jus. Maintenant, tu bois la bière. Tu es à 40% là, dans le whisky. Oui. Et c'est la même façon que quand tu fais les offrandes, des dons aux gens, les gens parlent bien de toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que vous faites pour couper l'influence. Donc tu restes comme ça. On écrase ton nom dans la journée, mamie, comme le pistache. Merci Stéphanie.
Vous m'avez fortifié à un point où même le son de ma voix leur fait peur. Ah, ya, 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 ya. Hey. Ah, quoi, quoi, quoi. Je suis partie là-bas. Le matin, ne prépare pas ma nourriture. Hein? Et quoi que je vais manger, quoi? Tu es soeur, tu es belle soeur, tu viens faire quoi chez ton frère? Hum? Tu crois que le matin, je vais te servir à 6 heures? Je vais pour toi. Je vais dire que je fais pour toi. Je travaille pour toi. Des fois, il fallait que je vous suive pour vous, pour voir que j'ai encore de la valeur. Oui, oui, oui. Il y a des jours où tu oublies, chérie. Tu restes comme ça, là, tellement t'as appuyé de tous les côtés. Une seule jumelle en France. Peut-être ma mère a accouché 2 enfants, elle a donné 1 en adoption. Ou bien ma mère m'a adopté, je ne sais pas. Mais je ressemble beaucoup à ma mère, donc je doute fort. Parfois, Dieu vous ouvre les yeux pour que vous ne culpabilisez pas. Parce que parfois, tu restes encore, tu dis que ouais, peut-être c'était ma faute. Peut-être qu'on s'est séparé comme ça. Ce n'était pas ta faute, chérie. You gave your best. Tu as donné le meilleur de toi. Tu as même trop duré avant de te réveiller. Hmm? Tu étais comme la grossesse de 50 semaines. Ou la grossesse de 80 semaines. Tu devais avoir accouché depuis longtemps jusqu'à concevoir encore l'autre. Mince. La grossesse de 18 mois. C'est pas ta faute. Tu es tombé sur ma vidéo, pourquoi? Première chose, tu dois voir d'où tu viens. Tu as compris? Tu as déjà traversé tellement de choses. You are Jireh, you are the living God, you are Jireh. You are the living God, forever enough, always enough, forever enough. In every circumstance, le Seigneur t'a sorti des trous. Il y a des trucs auxquels tu as échappé. C'est 2 ans plus tard que tu dis que, yé, donc j'étais dans le trou là il y a 2 ans. Que Dieu t'a sorti de là. In every circumstance, for every situation, Jireh. Jireh, c'est celui qui subvient à nos besoins. Jehovah, Jireh. Kerusu katalibo suskara katondra. Ebre katorobo sondro tokoshkari kato. Forever enough, Seigneur. Tu nous as aimés, tu nous as sauvés. Quand on ne connaissait pas encore qui on est. Quand on ne te connaissait pas, combien de fois maintenant? Seigneur, guéris nos âmes. Inspirez. Libérez par la bouche. Toutes les souffrances que vous avez subies doivent sortir ce matin. Parfois, le Seigneur t'amène à un endroit où il veut que tu passes à une autre dimension. Que tu rencontres un homme.
que tu regardes souvent ça, comment, hey, tu dis, Seigneur, donc il y avait le genre d'homme ici dehors. Inspirez. Prenez la force, et que cette force entre dans les coins de votre corps qui vous faisait mal. Expirez par la bouche. On vide les bras, on vide l'estomac. Le diaphragme là, là où vous aviez souvent, c'est là-bas que tu sentais la douleur, tu te sentais mal à l'aise. Quand on parle d'eux comme ça, tu te rappelles les anciennes émotions. Même l'argent pour acheter les serviettes hygiéniques, tu n'avais pas une époque. Il avait bloqué tes comptes, bloqué ton argent. Inspirez à nouveau. J'enlève le sentiment de solitude. Seigneur, que ta puissance descende sur tes enfants qui m'écoutent actuellement. Qu'ils sentent ta force en eux. Qu'ils sentent ton amour. You are Jireh. You are the living God. Jireh, Jireh. Jireh, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos corps, tu connais de quoi nous avons besoin. Restaure notre vision. J'enlève la peur de ton cœur. Tu as peur d'aimer. Tu as peur de laisser quelqu'un entrer. Soyez vigilant. Mettez les tests qui passent, tous les tests que tu vas mettre. Mais que la raison pour laquelle tu refuses de sortir avec lui, que ce ne soit pas parce que tu as peur qu'il te laisse. Inspirez. Oh, Seigneur, fortifie-moi. Ouvrez la bouche, vous dites, Seigneur, fortifie-moi. En expirant, tu dis, Seigneur, fortifie-moi. Inspirez encore. Oh, rababaki labakosoroboko chandre kakura sekate. Répétez, pendant que je prie en langue, répétez juste, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Vous inspirez. Et en expirant, vous dites, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi. Allez-y. Seigneur, fortifie-moi. Allez-y. In every circumstance. Votre argent est en train de revenir. L'argent est en train de revenir. L'argent qui était parti là. Donc, dans cet exercice, vous allez inspirer. OK? Quand vous inspirez, Seigneur, je prends ton amour. En expirant, on dit, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi. Vous avez senti le cœur qui va faire mal. Ça va un peu faire mal ici. Il y a aussi l'estomac qui va faire mal. Le sentiment d'abandon que tu as subi dans ton foyer. Il t'a laissé, tu venais d'accoucher, il t'a abandonné, il est parti. Tu as souffert avec l'enfant. Tu as souffert à l'hôpital seul. Tu as tout ça. Tu as payé les rentrées scolaires. Inspiré, ok? Pendant que je prie en langue, vous le faites. Les crous corouche kababa kili abako centre arika koraba kache les breskalous kalaba kacheria dazoske mantre kakuska la kata. Toute entité dans votre corps, dans vos bras, dans votre poitrine qui est cachée, qui vous empêche d'être aimé et d'aimer vous-même. Pendant que vous inspirez, je commande que ça sorte. Recouste les barous calasse. Oje kako, les korobosa, les kouchkare, rouskareka, rouskare babosha, les ous karabakashi, mare kokorous kalabakate, o koko jake. Inspirez. Seigneur, je reçois ton amour. En expirant, on dit Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Recevez la protection angélique, l'assistance dont vous avez besoin. Toute flèche que votre belle famille a mis dans votre corps. L'esprit de rejet qu'ils ont mis. La timidité quand tu ne parles pas. Inspirez. Je guéris ton ventre. Je sors tout ce qu'on a déposé. Le poison qu'on a mis. La nourriture qu'on a empoisonnée. Tu as mangé pendant longtemps. Je libère, je libère. Les corobos, corobos, chicare, au corobos, cambre, staka, et bras, dorobos, kere, brabos. Ils ont bloqué ton business pour que tu dépendes seulement de lui. Il te fait souffrir. Seigneur, fortifie-moi. Arriba boko, toroboskos, kene mandoroboskoska, et bras, katalaba. Les cousins, c'est à qui, kato. Les gando, je libère vos gorges, je libère vos gorges. Mettez le doigt sur la gorge.
Je libère vos gorges. Les mani la bosca, les bras et les bastos. O coco jacali, o coco rusque, les breca corace, librantari casco. Toute relation dans laquelle tu as été, on t'a maltraité. Même les hommes, il y a les hommes aussi. Ils faisaient n'importe comment, la femme ne voyait pas. Elle faisait des paroles très méchantes. Expire, expire, ko josabi kato robo soko robo santri, ebre kako robo ko seke ne babosa, e kakari baso, ebre kako robo so, mere bozozo koto robo kosa, e kakure man kondo robo koske, e kakari katarabakase. Je vous fortifie. Je libère ta gorge. Je libère ton foie. J'appelle ton argent. Comme ton libère, ton énergie est libérée maintenant. Tout argent qui te revient, j'appelle des quatre coins de la terre. Et je mets la joie dans ton cœur. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a volé, je répète, tout ce qu'on t'a volé, je te le redonne. Je restaure ta beauté. Je restaure ta beauté. Quand je te regarde dans le miroir comme ça, tu brilles. Les zébro chakate, inspirez à nouveau. Les kouze kakari kato. Je libère la gorge, je libère la gorge. Si vous devez cacher, vous cachez. Les kouze kato, les kakari, oze kato, oje kari ubosa, ibran kata la bakasa. Seigneur, fortifie-moi. Les boza kata. Seigneur, restaure ce que j'ai perdu. Les contrats que j'ai perdu. Oze kakari bakosa, mere ke karosa, e koko josa kika, o koko zukate, mare kozo zoka, e bre kakura bakase. Tout mauvais œil dans ta direction. Je perce les caméras spirituelles, je casse. Au nom de Jésus. And I will not condemn in every situation. You are the living God, for you are Jireh, you are enough. You are Jireh, for you are enough. Toute étoile qui t'a été prise par ta famille, belle famille, je te la restaure. Allez, on sourit. I have come to give you glory. I have come to give you praise. Your name shall be exalted, Baba. Yeah, yeah. Oh, yeah, thank you for life. Oh, thank you for peace of mind. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la paix d'esprit. Thank you for mercy. God, you've been so good to me. Yeah, yeah. Jehovah, 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 Jehovah. Et après avoir évacué tout ça, c'est la joie qui doit rester. Si vous m'avez écouté, votre joie n'est pas là. Sortez de mon direct. Sortez. Déconnectez-vous pour quelques instants. Jesus, hey, Jesus, hey, my Jesus, oh. We will praise your name, oh. In every circumstance. Something you seek is closer than you anticipate. Votre énergie est en train d'augmenter. Oh,
Oh my goodness. Quand je vous dis comme ça, non, je tombe sur une vidéo qui a 144 000 likes. Like, look at this. Look at that. Voilà les chiffres. Vous voyez ça? 144. Vous voyez, là. On va voir si Facebook donne mieux. Voilà, Facebook, c'est clair. 144. Vous voyez ça? Ça, c'est un signe. On a terminé. S'ils permettent, je vais faire le direct tout à l'heure encore. Quel que soit ce que tu vas voir comme secousse ce matin, tu ne bougeras pas d'un inch. Tu me suis. Quelles que soient les nouvelles qu'on va te donner, you will not flinch. Tu ne vas pas. Hey, yeah, hein? Tu seras comment? Tout le monde dit demi-heure. Tu seras comment? Dis demi-heure. Tu seras comment? Il dit que quoi? Bonjour, bonjour. Je vois un roi qui vient d'arriver là. Bonjour, bonjour. J'ai dit demi-heure. Ayati, bonjour. Demi-heure. Vous restez demi-heure. Voilà demi-heure. Demi-heure, c'est toujours le sourire. Les francophones écrivent ça comme Dior. D-E-M-I-O-R. Mais le best qui m'a alors seulement envoyé au ciel, c'est... Elle a écrit T-H-E. Comme The Gift, T-H-E, espace, M-I-O-R, demi-heure. Il dit, waouh. Moi, ok. Vous restez comment? Hein? Demi-heure. Maintenant, souriez. Souriez. Je veux voir le sourire, là. Malène, photo, tu ne souris pas, pourquoi? Sur TikTok, le nom, c'est Reine Lumière. J'ai 500 000 abonnés sur TikTok. C'est comme ça que tu peux savoir que c'est moi. On ne rit pas, on sourit. Sourire et rire, c'est deux choses différentes. Voilà le sourire. Voilà le rire. J'ai demandé de sourire. Sorel, pourquoi tu ris? Pourquoi? Oh, Guinaka. Elle dit que comment faire? Comment faire pour être demi-heure? Ah! Monsieur Eugène, tu es demi-heure. Voilà. Sachez qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. S'ils pouvaient vous atteindre, vous seriez déjà dans le cercueil. Si vous êtes en train d'écouter la vidéo, je ne crois pas qu'il y a TikTok dans le cercueil. Je ne crois pas que dans le cercueil, il y a le réseau. Donc si tu m'écoutes, ça veut dire que... Ihame Kwalao, pardon, ne viens pas te plaindre dans mon direct, je vais te bloquer. On est en train d'être demi-heure. Demi-heure ne se plaint pas. On n'explique pas que Zen avait le sourire. Demi-heure, c'est demi-heure. Demi-heure n'a pas d'explication. Demi-heure, c'est cute, c'est mindful. Demi-heure. Ok. Cute, c'est mindful. Quand ma fille fait ça, tu peux rire jusqu'à. Elle fait aimer l'accent anglais, c'est ça. Yeah, I'm very cute, c'est. I'm very nice.
ça ne veut pas dire zen attitude. Démion n'a pas d'explication ni de définition. Démion, c'est démion. C'est un mot seul dans son espace. C'est comme le Cameroun. C'est une galaxie. Démion n'a pas d'explication. Si vous me donnez Démion n'a pas d'explication. Le nouveau sourire de ce matin-ci. Moi, je ne sais pas. I don't know where it comes from. Ça sort d'où? C'est comme ça que nos hypocrites rient avec nous. Ma fille, tu es ma fille, non? Tu sais que je te prends comme ma fille, non? On doit faire un direct tout à l'heure encore. On doit parler des expressions des sorciers. Tu sais que je te prends comme ma fille. Sorcière. Tu es comme un frère pour moi. Sorcier. Pardon, laissez-moi voir ça. Le sourire des hypocrites là. Quand ils me voient moi-même sur l'écran, ça me fait encore rire. C'est comme ça que leur cœur rit. Hein? Leur cœur rit comme cela. Alors que ton cœur rit comme cela. Quand tu parles avec eux, c'est que tu leur dis quelque chose, tu es comme cela. Et ils sont comme cela. Aujourd'hui, si on vous provoque, rappelez-vous de Demion. Même si elle vient dans ta maison pour te provoquer, tu dis ok. Tu te répètes encore à toi-même Demion, 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 Demion. Ça va t'aider à te retenir. Oh Seigneur. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est Demion. Bon, bye bye. À tout à l'heure. On a déjà le scanner pour voir leur cœur. Leur cœur est comme ça. Bonjour, ma fille. Tu sais que tu es comme ma fille, fille pour moi, non? Parle-moi. Je te prends comme ma fille. Tu sais que tu es la fille que je n'ai jamais eue, non? On t'a dit bien pourquoi tu te rapproches avant de mettre le couteau sur toi. Il faut me dire tes choses, hein? On ne sait jamais. Ça t'est arrivé, tu peux expliquer ton problème à quelqu'un. À la fin, il ne te dit rien. Il ne te console pas, il ne te donne pas une idée, il ne te dirige pas vers quelqu'un qui peut t'aider. Non. Après t'avoir dit, tu m'as encore plus paniqué qu'avant. Tu sais que je te prends comme ma fille, hein? Oui. Oui, tu es la fille que je n'ai jamais eue. Dieu sait pourquoi il ne t'avait pas donné la fille là. T'as raison. Tu es de passage. Pardon, envoyez-moi un peu vos grimaces inbox. Pardon, je vais un peu rire. Vous avez mon numéro, non?
Hein, partez sur WhatsApp, vous faites la grimace, là, vous m'envoyez un peu, pardon. Non, il y a des jours, je ne suis pas normal, mais bon. Pardon, fumez même deux, trois, vous m'envoyez, pardon, il veut rire. Vous avez suivi, non? Je vais voir la championne. Je vais cacher le haut de ton visage. Je vais montrer seulement ici là. Je dois trouver une championne pour ça. Vous m'envoyez ça, non? Hein? J'attends, envoyez, non? Sur le 693, je vais voir. Mon baba, allez. Ah, Seigneur. Est-ce qu'ils savent même que vous ne pouvez pas tomber? Ils ne savent pas. Tu viens d'une famille de sorciers. Si tu as grandi jusqu'à tu es... On a essayé de t'avorter trois fois. Tu n'es pas sorti. Trois tentatives de fausse couche. Tu n'es pas sorti. Quatre maladies graves dans l'enfance. Tu n'es pas mort. Elle croit que c'est à 25 ans qu'elle va te toucher. Dis-lui qu'elle va demander à ta famille. Tu as la peau du crocodile. On a essayé. Eux là, ils sont petits, pardon. Ils ont les apprentis. Je ne savais pas que dans ta famille, on était en train d'entraîner. Et attends les photos. Hein. Il a envoyé ma part dans le groupe. Voilà, j'ai mis dans le groupe. Vous allez voir. Ah, tu dis qu'elle fasse encore la grimace. Avec ta tête. Ouais. J'ai envoyé dans le groupe WhatsApp. Voilà ça. Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Voilà quelqu'un qui a fait sa paix m'a envoyé. Elle a fait m'a envoyé. Attends, je vais éditer, je coupe ton visage, je vais un peu leur montrer ça. Vous allez voir, j'ai des followers, que vous êtes terribles. Eh, mes followers, c'est... Voilà sa part. Regardez sa part. Vous voyez, non? Ah, Seigneur. Il veut vous mettre où? C'est comme ça que le cœur de vos adversaires, quand ils voient votre bien, ça fait comme ça là, ça grinche comme ça là. Oui. Bon, bye bye. C'est pour ça que certains d'entre eux sont un peu laids. Le visage n'est pas très beau. Parce que le cœur finit par teinter le visage. Il faut dire à vos enfants que quand ils voient les gens, ils sont trop laids. La laideur, là, c'est l'état de leur cœur, en fait. Bon, bye bye. Rencontre quelqu'un, la personne est particulièrement laide, je t'assure. C'est vrai que souvent quand tu vois quelqu'un qui est trop laid, là tu essaies dans ton esprit de dire que bon voilà, ça ne donne pas, que non elle est quand même, c'est parce que son cœur est comme ça là.
On a dit qu'arrêtez d'être, arrêtez d'être méchant. Vous allez devenir beau. Non, il continue. Moi, il fait pleurer ce matin. Vous réclamez Demion, hein? Ah là là, vous allez créer l'autographe de Demion là aujourd'hui. Vous allez créer l'autographe de Demion. Il faut lui dire que je ne donne rien, aucun argent. On a fait les courses l'autre jour. Elle va utiliser ce qu'il y a à la maison là-bas. Je ne dis que je ne donne rien. Par la grâce de Dieu, on va faire les lectures tout à l'heure. Hein, tu veux faire le bénévolat, Marlène, tu es dans quel pays? Non, vous avez vu la dame qui est venue tout à l'heure? Non, il y a le plombier qui va entrer ici. Donc, il faut que je pose mes affaires. C'est pour ça que je dois absolument... Et elle est déjà en bas, elle vient de m'écrire. Elle m'a demandé si elle peut monter. Mais je dirais si elle est sucrée jusqu'à... Kai, Jesus is Lord. Hein, demi-heure. Je sais de quoi je parle. Je vais faire, je vais se faire les lectures tout à l'heure. Ne payez pas, je prends plus de lectures supplémentaires. J'ai trop en attente. Et depuis au moins ces 6 jours, je n'ai pas fait de lecture. Donc, ceux qui ont payé, rappelez juste tout à l'heure, je vais faire les lectures. Mais ne rajoutez pas, je vous en prie. Pendant que je serai en train de lire, si en se tenant, si quelqu'un paye, je peux le lire. Mais ne payez pas pour me mettre en attente, s'il vous plaît. Je me sens même mal à l'aise quand les gens viennent et commencent à dire que il y a des périodes où je ne peux pas travailler. Si je suis sur un projet, ça me prend toute la journée, tout ça. Je ne peux pas travailler. Ok, bon, bye bye. Bénédiction divine, bye bye. Il faut être demi-heure.